Ligue Europa, pour Saint-Étienne, il vaut mieux jouer Manchester United que perdre bêtement contre l'APOEL Nicosie. Interrogé par France Info, lundi, après le tirage au sort des 16e de finale de Ligue Europa, Frédéric Rentz, entraîneur de Montpellier, donne son avis sur les adversaires des clubs français. L'entraîneur de l'équipe de football de Montpellier, Ligue 1, Frédéric Rentz, a estimé lundi 12 décembre sur France Info que le tirage de Saint-Étienne, qui affrontera Manchester United en 16e de finale de la Ligue Europa, est une chance pour le club français. Selon Rentz, Saint-Étienne peut passer face à Manchester United. C'est le plus beau des tirages, a commenté Frédéric Rentz. Ça nous rappellera les belles soirées à Geoffroy Guichard, le stade de Saint-Étienne dans les années 70. Frédéric Rentz, également consultant football de France Info, a estimé qu'il vaut mieux jouer Manchester United que perdre bêtement contre l'APOEL Nicosie. Pour lui, jouer contre le légendaire club anglais n'est pas synonyme d'élimination et l'AS Saint-Étienne peut passer. Quant à l'Olympique lyonnais, qui affrontera les Néerlandais de l'AZ Alkmaar, il a bénéficié d'un tirage plus favorable, selon Frédéric Rentz. Autre avantage pour les Lyonnais, ils recevront lors du match retour. De plus, Frédéric Rentz estime que le championnat hollandais a quand même baissé de niveau. Lyon est nettement supérieur, conclut l'entraîneur de Montpellier.